Bonjour les amis, on se retrouve dans Witchfire pour la 58e expédition et on va retourner au château. Nous sommes maintenant en difficulté maximale puisqu'on est level 61. Je vais prendre l'écho, le fusil à pompe monté au niveau 3, le fusil à portée moyenne qui est au niveau 2, l'arbalète démoniaque, le sort cône de glace pour geler les ennemis qui est au maximum. Le sort qui permet d'invoquer un grenadier pour nous aider qui est aussi au maximum. L'œil de la femme folle qui foudroie les ennemis qui n'ont plus beaucoup de vie. Le fétiche qui nous permet de récupérer toute notre vie en un coup. Et l'anneau qui permet de dasher plus loin et de laisser une bombe derrière nous. Et donc on retourne au château. On va essayer de re-rentrer dans le château. On va utiliser les coins comme prévu. Donc c'est parti pour le château. Hop là. Et voilà. Et les coins se gagnent, les pièces, elles se gagnent en tuant le boss de la première carte. Et c'est en donnant ces pièces que vous pouvez obtenir des choses intéressantes. Alors on est de nouveau dans la grotte. Donc, on est à un autre endroit maintenant. On est ici, tiens, c'est intéressant ça. On est dans le château déjà. Donc on pourrait même peut-être tenter le boss à la limite. On peut ressortir soit par ici, soit par là-bas. Et ici il y a le gros ennemi. Et donc on est déjà dans le château, ça c'est pas mal. Donc j'ai même pas besoin d'essayer de donner des pièces ici au gardien mort. On est déjà à l'intérieur, ben, ça c'est magnifique. C'est une grande première, c'est la première fois qu'on apparaît dans le château. Bon, on y va. On va voir ce qui nous attend. Ah, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va directement des ennemis faciles, ce qui est pas mal. Il y a un éclat de Witchfire ici à ramasser. On va le faire. C'est toujours ça le prix. Bon, les petits, c'est que 100 points, mais bon. 100 ou 200, ça dépend de la taille du petit. Voilà, les ennemis sont déjà là. Alors, est-ce qu'ils sont déjà ici ou plus loin? On les voit. Il y a au moins un grenadier dans le tas. À moins que ce soit un coffre. Bon, on va... Ils sont vraiment en hauteur, à mon avis, là-haut. Mais on va progresser par là. Voyons voir un petit peu. Ah, là, il y a la cour avec les difficiles. Donc, si on veut aller faire le boss, il faudra passer par ici. Et il y a deux fois des munitions. Ils sont dans la tour, en fait, ici. Et alors, il y en a qui gardent le boss là. Mais alors, il y a des ennemis difficiles ici. Très difficiles, même. Highly dangerous. Extremely dangerous, même. Bon, on va d'abord tuer celui-ci. Oula, ça tire déjà. Oh, ça traîne pas. Voilà. J'étais un peu surpris là. Clé. Bon, si on meurt, on la perdra la clé de toute façon. Un grenadier. Ah là là. On peut le geler. Hein. Alors on va se rééquiper. On laisse péter là. Dans le château aussi on peut pas mal se planquer derrière les trucs. Oh là, c'est quoi ça encore? Alors il y a un grenadier pas loin. C'est pas un grenadier. On va faire le tour. Voilà. Pendant qu'il s'occupe de l'autre. On récupère ça, c'est pas mal. On va laisser faire notre grenadier faire un peu de ménage. Et voilà, foudroyer. Encore un mort. On a été touché, c'est pas trop grave. Je vais quand même prendre la potion. Et voilà.
J'ai l'impression qu'il y a encore des ennemis difficiles. J'ai le gel. Je m'en doutais, hein. Ça a pété dans le mur, c'est bien. Et hop, un de moins. On se réarme. Ah zut, j'avais oublié le nuage de poison. Et Tiny c'est 100 je crois, et Small c'est 200 pour le Witchfire. Ça reste longtemps à le poison ici. Vraiment. Ça c'est des assassins. Oh, même là il me touche. C'est hallucinant. Hein. Qu'est-ce que ça dit? Ils sont là-bas au bout. Hein. Peut-être faut essayer de trouver un angle de tir. Ah je le vois. Ah, pas évident de... On peut toujours le jeter, hein. Ah, ils sont solides, hein. Bon, il reste plus que un, je crois. Et la zone est nettoyée. C'était la zone la plus dangereuse. Il faut attendre, hein, que ça se dissipe pour récupérer le... l'éclat, malheureusement. Le, on est en plein poison, là. Et vous voyez qu'ici, on a nettoyé la zone la plus dangereuse du jeu, ici. Donc on va progresser par là. On va avoir des ennemis ici et des ennemis là. On doit récupérer des munitions aussi. Mais c'est pas mal. Et on pourra toujours sortir là, si on veut. On va tenter d'aller vers le boss. Hein. Maintenant, avec 9000 de Witchfire, ça donne pas forcément envie d'aller faire le boss pour se faire tuer. Surtout qu'on l'a encore jamais fait. Ouf, il y a encore un ennemi là-bas. D'où il vient, lui. Il se ramène, hein. Même technique, hein. On va utiliser notre... Voilà. Et on va le passer par derrière. Pendant qu'il tire sur l'autre. Qu'est-ce qu'il fait, l'autre? Pourquoi il tire pas? Ah, il le voit pas. Ah, ça, c'est vraiment bête. On va le geler. Voilà. J'ai utilisé le mien pour rien ici, c'est dommage. Enfin bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est freeload, on va faire c'est freeload. Donc, résistance aux dégâts pendant 3 secondes de 60% après avoir rechargé une arme. Bon, on a perdu, on a mis notre soldat pour rien, mais c'est pas grave, c'est les choses qui arrivent. Il y a un coffre par là-bas. Je connais pas du tout la carte, hein. Pour l'instant on explore. Bon, on a des ennemis là. Moi c'est peut-être pas par là que j'ai envie d'aller. Plutôt essayer d'aller par ici. Ça m'a l'air mieux par ici. Bon, niveau munitions, c'est encore tenable. Ah, les ennemis sont là-bas à gauche. Et il y a des munitions quelque part ici. Si elles pouvaient être ici dans le bâtiment, ce serait bien. Elles sont ici dans le bâtiment. Oh, ça c'est génial, ça. On pourrait commencer à tirer quelques ennemis et puis se recharger quand on aura besoin. Ouf, il y a encore un... Décidément, il y a encore un garde avec un bouclier. Moi, je peux le geler, hein. Je vais le geler. Je le laisse approcher. Où est-ce qu'il patrouille? Je le gèle. Et je le tue. Pas mort encore. Ouais, il est mort. Ça, il fallait absolument l'éliminer. Vite fait, bien fait. Quitte à prendre du dégât, c'est pas grave. Mais il fallait l'éliminer. Donc, il y en a encore du gel de charger. Niveau munitions, on est trop juste maintenant. On va charger ici. Une clé encore, décidément. Aussi, une.
Ah, il est loin, lui, dis donc. Ouais, vraiment trop loin. On avance. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il a sauté là? Bizarre ça tient. Foudroyé. Oh, il s'est passé quelque chose là. Il se passe quelque chose, je sais pas trop quoi. Des ennemis qui apparaissent partout. Il s'est passé un truc. Je sais pas ce que c'était. Mais les ennemis sont apparus de partout. Peut-être que la zone est plus large que je pensais. Le problème c'est que... Ouais c'est ça. On tient en tirer un. Il faudrait les attirer hein, pour bien qu'il y en a un qui arrive par derrière. Moi je l'ai vu. Il s'est pas téléporté. Ici il s'est téléporté je sais pas où. Hein. Derrière moi. Ah oh, le fil. Ok. J'ai pas encore l'habitude du château. La deuxième incursion à l'intérieur. Il y en a derrière moi de nouveau. Il passe par les... Par les trous, hein, donc c'est très embêtant. Vous voyez la bombe que je lâche derrière qui fait un nuage de gaz, qui les empoisonne. Ça c'est très pratique. J'ai l'impression que je suis sur deux zones de monstres à la fois. Je peux me tromper. Ouais, c'est ça. J'ai des zones d'ici et des monstres de là-bas qui arrivent en même temps. C'est pas top, hein. Voilà, fait. Il est d'ici. Voilà. C'est pratique, hein, l'œil de la femme folle. Attention! Oh là là! Ça, c'était pas prévu au programme. On va le geler. On va même... Enfin, allez, je peux pas les geler tous les deux, ils sont trop loin l'un de l'autre! On va tenter ça. M'a fait du dégât là. Aïe aïe aïe. Ça c'est le coup à me tuer ça. Il est mort. Heureusement mon grenadier l'a eu. Ok, on continue. Où est-ce qu'on en est? Il y a encore un grenadier qui arrive. Hein. Là-bas quelque part au fond. Ici ça a l'air propre. Je vais récupérer ça. Enfin encore un grenadier. Un grenadier, qu'est-ce que j'ai? Un bouclier, un gars avec son bouclier. Bon laissons le patrouiller peut-être. Je vais attendre de revoir mon gel. Voilà. Ça y est, il bloque. Ça y est, il tire. Tirez sur celui-là. Pense, on a tué l'autre. Le gel est revenu. On va attendre vraiment qu'il court vers nous. On le gèle. Et derrière. Bon, j'ai pris beaucoup de dégâts là. Je me soigne. Moi j'ai plus qu'une seule potion maintenant. Il va falloir faire très attention. Hop, attention. En plein dans le nuage. De poison et voilà une zone de fini. Je sais pas laquelle c'était. Alors on voit ça. J'ai deux plumes. Shockwave. Critical kills on shocked enemies produce storm shockwave. Maintenant ça j'ai pas comme pouvoir. Je vais faire ceci. Immunity reload. Donc quand je recharge, mais seulement si mon chargeur était complètement vide. J'ai une immunité pendant un certain temps. Ouais. Bon.
pas ça non plus qui va changer ma vie. On va essayer de sortir hein, de là. La sortie est là-bas. Mais les munitions sont ici. Donc il faudrait éliminer ceux-ci ici. C'est ce qu'on va faire maintenant. C'est parti. Voilà, ça va être cool. Ça n'a pas des difficiles ceux-là. Ouais, viens. Cours, mon ami. Cours, cours. Ce sera encore plus facile. Les clés pleuvent ici. Hein. Alors, on a un groupe d'ennemis là. Hop là. Hop là. C'est que des lanciers. Ils ont qu'une chance, les pauvres malheureux. Ils vont se faire, mais vraiment, c'est de la chair à canon ça. Hein. Oh là là là. Qu'est-ce qui se passe encore? Je me méfie quand j'entends ce genre de bruit. Je me méfie très fort de ce qui se passe. Oh, il s'est trop loin. Le coffre à munitions est droit devant moi. Des ennemis qui apparaissent en groupe. Pourquoi? Est-ce que c'est un nouveau piège? Je sais pas trop. En tout cas, ils se font laminer. Bah c'est fini. Donc c'était quasi que des lanciers. Ok. Fast reload ou bien plus de régénération plus rapide de la de l'endurance, on va prendre ça. Bon, ça c'est nettoyé, on va regarder un petit peu s'il y a d'autres choses ici. Il y a des champis dans le château aussi, mais j'ose pas les manger parce que. Bon, il nous reste qu'une potion, on est full vie. On peut essayer de sortir, on peut essayer de faire le boss, on peut faire plein de choses en fait. Les munitions, je vais encore attendre un petit peu, je les prendrai au dernier moment, quand vraiment j'ai plus rien. On va tenter de nettoyer soit là. Putain, il y avait deux zones extrêmement dangereuses alors. Ah non, celle-ci était highly dangerous. Extrêmement dangereuse, c'est celle-là. Donc je me suis trompé tout à l'heure. Ici, il y a celui qui garde le boss, et puis il y a ici le portail. Bon. Ça va pas être facile, hein, cette histoire. Bon. Le problème du château, c'est que les ennemis sont finalement assez proches et vous allez vous faire attaquer par différents groupes d'ennemis en même temps. Ce qui facilite pas les choses. Vous êtes un peu pris en sandwich, en fait. Non, c'est pas du tout par là. Hein. C'est pas du tout par là. Ah, plutôt par ici, à mon avis. Ouais. Il y a des coffres ici. Et ça descend. Ok. Je connais pas du tout cette zone. Hein. C'est la première fois que je viens. Je pense qu'il y a des coffres ici. Hein. Je suis pas sûr. Ou bien c'est des ennemis. C'est déjà des ennemis. Bon, stop. Ouais, on arrive sur la zone extrêmement dangereuse. Je vais pas aller par là. Je vais essayer de passer par l'autre côté si c'est possible pour les longer et pas les affronter de face. Ah, il y a déjà des ennemis ici, je le crois pas. Je me demande de quelle zone ils dépendent d'eux. Voilà, ça c'est pas bon ça. Ouais, parfait. C'est là en bas. Non, c'est l'autre. C'est ici. Ils sont vraiment solides. Il y en a encore un là. Et il y en a un sur le côté. Et il y en a un sur le côté là. Faire gaffe qu'ils nous prennent pas
en sandwich, hein, parce que... Est-ce qu'ils peuvent passer par ici? Bonne question, peut-être bien. Oh, on se méfie pas, c'est une zone ouverte, donc ils peuvent venir de partout. Il y en a un là. Il y en a tout près, hein, mais vraiment tout près. On va attendre, ça va régénérer assez vite. On va essayer de... Oh, il est là. Voilà. Ça, c'est bon. Il y en a un autre ici, tout près en bas. Là, voilà. Oh. Hop là, il y a un chevalier qui arrive. C'est pas mal compliqué ici, parce que... J'aurais peut-être intérêt à regarder si je peux pas aller au portail quand même. Et laisser ceux-là tranquilles. Oh, il y en a un là. C'est trop tard pour les laisser tranquilles, ils sont là. Tchou. Low ammo. Bon, de toute façon, on pouvait reprendre des ammo là plus loin. Donc c'est ce qu'on va aller faire. Je sais plus où c'était. C'est de l'autre côté. Bon, nous, on va par ici et par là. On va se recharger en munitions. On va se recharger ici. Je pense qu'il faut commencer à penser à quitter la zone. Encore une clé. Ça fait combien de clés? 7 clés déjà. Et 32 pièces pour passer. Ok. Bon, là on a refait le plein. Je crois qu'il y en a un qui est pas loin derrière ici. Il a dû se rapprocher. Ah, je le vois. Tiens, prends ça. Encore un. Bon, lui, il est en bas, je crois. Il doit être quelque part en bas, là-bas derrière. Donc, on va laisser tranquille. Tant qu'il ne me poursuit pas, on va avancer plutôt pour essayer d'aller vers le portail. J'ai encore le grenadier de toute façon, j'ai le gel. Cela, il m'embête pas non plus. On va essayer d'aller au portail. Alors ici, on arrive dans une nouvelle zone ennemie normalement. Et le portail doit être sur le côté là. Le portail doit être ici quelque part. On va poursuivre. Voilà, ça c'est... Ils ont pris cher. Attention. Et les ennemis qui arrivent de là maintenant. Oh, aïe, aïe, aïe. J'ai coincé dans le truc. Tiens, prends ça. On est djoum. Il y en a encore un là. Fasse gaffe, je suis mal placé. Il est mort, je crois. Non, il est pas mort, si, il est mort. Non, il est pas mort. Aïe, 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 aïe. Il y en a un sur le côté, là. Ah, je l'ai vu. J'en ai un à gauche et un à droite, c'est ça qui est embêtant. Je suis tombé. Et zut. Heureusement, j'ai surmonté. Ah, le là. Ah, si, là, il est mort. Mais là, il suffit de tuer l'autre. L'autre, il est en haut, quoi. Bon, on va passer là. J'ai l'impression que l'autre est en haut. Derrière ou quoi? Il est là! Ok! C'est fait. Bon. Ici, il y avait une série d'ennemis, normalement. Ah oui, c'était hautement dangereux. Et il faut que j'essaye de trouver le portail. Enfin, un autre... il y en a deux autres qui apparaissent maintenant.
en plein dedans, bravo, bien joué. Et voilà. Très pratique hein, cette bombe avec le poison. On commence vraiment à manquer de munitions. Hein. Je sais pas où on en a encore. Là-bas, mais il y a des ennemis. Donc il faut vraiment commencer à penser à sortir de la carte. On est très court en munitions. Et il y a énormément d'ennemis, une grosse concentration. Il y a un grenadier là-bas en haut. L'idée c'est d'essayer de trouver le portail, il est vraiment pas loin. Est-ce que le portail serait ici? Le portail n'est pas là en tout cas. Je dois être tout près. Ouais, le portail doit être de l'autre côté, je le vois pas ici. Il doit forcément être de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il faut nettoyer la zone de l'autre côté. Ouf, il y a un grenadier. On va le geler. Il a pas vu arriver. Hein. Il a pas trouvé au mauvais endroit. Bon là, attention. Attention, parce qu'ils vont sauter. Pas de chance. Ah, c'est fini. Ah, c'était chaud, 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 chaud boulette. Alors, qu'est-ce qu'on a? Blood transfer. Ça nous donne des trop chances. Donc 50% de chance d'obtenir des élixirs de soins. 50% de chance en plus. On va aller choper ce portail. Il doit être quelque part ici. Hein. On va grimper. Donc là, on a l'accès au boss. On peut aller voir comment ça se passe pour le boss. Avec 22 000... On va pas chipoter. Ah, le portail est là. Voilà la sortie. Ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà encore un coffre ici. On n'a plus beaucoup de munitions, malheureusement. Un élixir de soins. Ça, c'est bien. Ouais, je pense qu'il y a encore un coffre là. Super. Peut-être encore un élixir de soins. Qui sait? Non. Ok, ok. Bon, si la calamité arrive, on aura le temps de se replier dans le portail. J'ai pas envie de perdre 22 000 pour voir le boss. Si j'avais save deposit, je le ferais. Je perdrais mes clés, c'est pas grave, mais... Ici, on est vraiment là où est le boss. Je peux essayer de voir pour rentrer, mais j'ai peur que si je rentre, ça va déclencher le combat. Et comme je l'ai jamais fait, j'ai aucune idée de comment ça va se passer. Vous voyez les portes, là? J'ai peur qu'elles se ferment derrière moi. Et que le boss se pointe tout de suite, quoi. Aïe, aïe, aïe. J'essaierai bien plutôt de tuer encore un peu des soldats pour obtenir des potions. Mais j'ai plus beaucoup de munitions non plus. Je suis un peu dans l'embarras, là. Bon, on a quasi nettoyé toute la carte. Hein. Il reste deux zones de monstres. Il reste la zone ici hautement dangereuse que j'ai déjà commencé à nettoyer. Peut-être c'est faisable de la nettoyer complètement. On peut essayer de voir. Essayer de rentrer dedans, essayer d'encore tuer quelques ennemis. Voilà, je vois encore des ennemis là-bas. On a quand même déjà tué beaucoup. Peut-être qu'on peut nettoyer la zone quand même. Voilà, il m'a touché, pas de bol. Aïe, 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 ça c'est pas bon ça. Je dash. Bon, je vais attendre pour les soins. Où est-ce qu'il est ? Toujours pas mort lui. Attention, il y a une activation d'ennemis. Et il y a un grenadier qui vient d'apparaître ou un gars avec son bouclier. C'est un des deux. Où est-ce qu'il est?
assez rigolo parce que... Ouais, je vois là-bas. Je suis loin, hein, et ça me coûte beaucoup de munitions pour pas grand-chose. Au moins ça fait un de moins. Le grenadier est quelque part là. Là il va me tuer, il va me tuer. Je le gèle. Faut que je dégage. J'ai un gros problème de... Là ça tape pas mal là. Attention grenadier. Faut dégager. J'ai le gel. Je peux l'attendre ici et le faire avec le gel. Ah, il y a la fin. J'ai le gelé, hein. Je vais tous les geler. C'est pas qu'il voulait tirer au-dessus. Oh le filou. Je tente de le geler. Je le gèle. Mais je l'ai raté. J'ai raté mon gel. Je l'ai eu. Je l'ai filouté celui-là. Une potion? Non, des munitions. Il y en a encore un pas loin derrière là. Qui suit. Ok. J'ai encore ça aussi. Hein. Quitte à... Bon. J'ai encore le gel. Je l'ai raté. J'en ai deux qui arrivent. Waouh, nettoyé. Alors ça, c'est top, hein. C'est top, top, top. Hop, on chope ça. Un élixir et save deposit, ce serait magnifique. Eh ben non, pas de bol. Ah là là. Ouais. Quand tous les sorts sont à vide, on augmente nos dégâts. Bon ben voilà. C'est quoi ce truc là? Une lettre. Petit risque d'avoir une malédiction. Malédiction. Allez, on quitte. Cette fois-ci, on quitte la zone. On cherche le portail. L'ouverture de portail. Où est-ce qu'il est, le portail? Je me suis trompé. Ah là là. Le portail, le portail, le portail. C'est pas par là non plus. Je suis en train un peu paniquer, là. Où est-ce qu'il est, ce fichu portail? C'est derrière moi. Ici, là. Dans mon portail. Allez. C'est bête, hein. C'est vraiment bête d'avoir déclenché une malédiction. C'est vraiment pas malin. En plus, je sais pas où elle est. Elle est où? Ouf, c'est déclenché. Oh, faut la tout au bout là-bas. Là où il y a le porteur de l'ombre. Bravo, génial. Allez, on attend. Gentiment. Et dès qu'on peut, on quitte la carte. Parce que là, c'est trop chaud, boulette. Allez, 4, 3, 2, 1, allez, 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 allez. Tout juste. 69 kills dans le château. 6 coffres sur 17. 20 000 Witchfire, 2 de trésors. On a fini ça ici. Et on a des tout petits trésors qui valent 100, 200 et je crois 400 ou 500. Voilà, c'est parti. C'était ultra chaud.
mais on avait pris notre meilleur matos pour le faire. Hein, donc. Allez, les plantes, on n'en a pas eu cette fois-ci. Allez, c'est parti. Maintenant, on va voir ce qu'on a récupéré. On va prendre un niveau, peut-être même deux. Bon, on va prendre deux niveaux, là. On va prendre deux niveaux. Alors, on va prendre... On va se mettre à 20 de vitalité. Voilà. Il faut 13 922. Donc, il nous manque pas grand-chose. Hein. 13... On va me dire 14 000. 14 000. Alors, on va prendre les petits. On va prendre les tout petits, j'en ai plein. Et voilà, on est bon. On va prendre vitalité. Pour la mettre à 20. Hein. Voilà. Vous remarquerez que... Un petit détail amusant. Enfin, amusant. Regardez notre vitalité. On a 146 points de vitalité. Et donc au prochain niveau, on gagne 4 points. Ce qui est que dalle. Ça fera 150 points de vitalité. Si vous regardez, par exemple, les points de vitalité du grenadier, c'est 4 ou 500. Hein. Donc c'est presque 3 fois ce que nous on a. Regardez ici, le grenadier. Si vous prenez les détails et que vous inspectez, il a 500 points de vie. Hein. Donc ça vous donne une idée de la difficulté du jeu. Alors, on va récupérer ça ici. On récupère ça. Second médaillon. Alors maintenant, je vais regarder ce que j'ai besoin. Au niveau des mystériums, j'en ai deux. Du second, un du troisième. On va faire une du troisième maintenant. Voilà, ça prend plus de temps. Ça, c'est pour upgrader nos trucs. Où est-ce qu'on en est pour le... Pour ici. Celui-ci, on est à 218. Et alors, il faudra un troisième mystérium. Parfait. Et on est niveau 63 maintenant. Et bien voilà, on va arrêter le let's play ici. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres expéditions.